Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 août 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance pour les signes d'eau. Donc là, je peux rencontrer l'énergie du signe du cancer, du scorpion ou du poisson. Allons-y. Je demande un message pour les signes d'eau. Donc, on commence avec cette carte qui nous parle de bonheur, de joie et de félicité. C'est la carte qui nous parle de gratitude, de réjouissance. On est heureux. On a le cœur joyeux et on est reconnaissant. Allons-y. Continuons. Attendez. La situation complexe. On pourrait aussi me présenter une personne qui est dans une triangulaire, un triangle amoureux. Une personne peut avoir besoin de temps. Il y a des énergies de tromperie possible. Continuons d'explorer. Message pour signes, les signes d'eau. Et je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Donc là, je peux vous partager plusieurs petits messages. On verra bien. OK. Donc là, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente une personne qui est dans l'entre-deux, qui a besoin de temps. Il y a une personne ici en cette guidance qui te demande d'être patient, patiente. Il y a des énergies ici là, avec la situation complexe. Oui, on pourrait me présenter un amour secret et surtout avec la carte de la fourberie, l'énergie de la trahison, des mensonges, de la manipulation. Et ici, on a la carte du cœur joyeux. Mais il y a quelqu'un qui a besoin de temps. Quelqu'un a besoin que tu lui laisses du temps, que tu lui donnes du temps. Ça prend du temps, mais on dirait qu'on a besoin de ce temps-là. OK, attendez. Message pour les signes d'eau. Situation complexe. OK. Allons visiter la carte « Être heureux ». Bon, ici, on dirait peur, 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 accroche-toi. Peur de quoi? Bon, allons-y. Attendez, je vais demander une carte sur la situation complexe qui nous parle d'énergie tierce. Message pour signe d'eau. Une carte pour cette personne qui te demande de faire preuve de patience. Une carte pour la fourberie, énergie de mensonge, de trahison. Bon, on verra bien. Message pour les signes d'eau. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, là, on est entouré de requins. C'est une carte qui inspire quoi? La peur? On se sent menacé? Bon, ici, il y a quelqu'un qui a le goût d'être heureux. Il y a une personne qui a le goût d'être heureuse. Donnez-moi une minute. Mais il y a de la peur, comme si quelque chose nous empêchait. Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui nous empêche d'être heureuse. Attendez. Un homme qui a peur. Il y a un homme qui a peur. Qui peut se sentir menacé. Il y a comme un blocage. On veut être heureux. Un homme se sent menacé, a peur. OK. On est en présence des signes d'eau, l'énergie de l'eau. Ici, bon, la chambre, lieu d'intimité, on dirait qu'on dort mal, c'est compliqué. On est dans un triangle, possiblement, là. Énergie tierce. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a des troubles de sommeil.
c'est compliqué. On le sait, si on nous parle d'un triangle amoureux, c'est compliqué. Habituellement. Allons-y. En plus, avec la carte de la fourberie, on ment, on cache à l'autre la vérité, les énergies de trahison. OK, allons-y avec la carte de la chambre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des troubles de sommeil. Allons-y avec l'énergie de l'eau. Poursuivons. Pour la chambre, rigide. Donc ici, rigide, rigide, on aime une personne qui semble avoir un comportement rigide. Bon, et on dirait ici qu'au niveau de l'intimité, bien étant donné que ma carte est à l'envers, on dirait qu'il y a un blocage. Il y a un blocage. Donc ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui dit à l'autre, « Non, je ne couche plus avec ma partenaire. » On n'a plus de sexe ensemble. Aimer, aimer étranger et rire. Donc ici, on me présente une personne qui aimer étranger, aimer l'inconnu et rire. Il y a du plaisir avec une tierce personne. Et il y a un homme qui a peur. Aimer étranger, rire. Et ici, on nous présente le triangle. Oui, ici, là, je ressens réellement... c'est comme si j'entendais une personne qui disait « Ah, il n'y a plus rien avec ma partenaire, on ne couche pas ensemble, on ne couche plus ensemble. » C'est ça que je vois. Et le plaisir est avec une tierce personne. Continuons. Laissez du temps, laissez du temps. Bon, ici, il y a quelqu'un qui quoi? On tourne, on tourne. Il y a quelque chose qui se répète. On tourne en rond. On a peur. Il y a quelqu'un qui a peur. On est dans un triangle ici. Une situation complexe. Peur, peur. Ici, il y a quelqu'un qui croit qu'il a peur que tu retournes voir. C'est compliqué. D'après moi, on le sait. On le ressent qu'il y a une tierce personne. Ici, il y a quelqu'un qui attend. On dirait qu'il a peur que tu retournes voir la tierce personne. Attendez. Et ici, j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui a l'esprit embrouillé, confus. Une personne qui est confuse. Il y a de l'angoisse. On dirait qu'on a besoin de temps là, pour prendre un recul. Prendre une distance d'une situation. On dirait qu'on ne sait plus. On tourne, on a peur. On répète un comportement. Mais là, je pense qu'on a besoin. On a besoin de s'arrêter. Je vais demander une carte mot. Et il y a quelqu'un, on dirait, qui a peur que tu retournes voir la tierce. Donc, j'ai comme l'impression qu'on le ressent. On sait à l'intérieur de soi qu'il y a une autre personne dans le décor. On le sait. Ici, il y a énormément de confusion. Oui, possiblement aussi parce que, rappelez-vous, on a la carte de la fourberie tout près. Donc, on peut bien être dans la confusion puisqu'il y a présence de mensonges. On a besoin de temps pour réfléchir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul pour essayer de clarifier là, la situation. Oh non, non. D'après moi, on sent. On le ressent ici qu'il y a que notre partenaire nous ment. Il y a quelqu'un qui est confus. Il y a une personne confuse qui est mêlée, là. Oui, c'est très inconfortable ici. Et en même temps, il y a une personne qui semble être... qui ne sait plus, on dirait, comment s'orienter et qui te demande d'être... il y a quelqu'un qui te demande d'être patient, patiente. Qui ne sait plus... qui est mêlé, qui ne sait plus quelle décision prendre, qui hésite, qui est tout mêlé. Attaque. Attaque et humilié. Donc là, d'après moi, retour, retour, il y a quelqu'un qui a peur ici
On peut me présenter une personne qui se sent menacée et qui t'attaque, qui te blesse, qui te fait du mal, qui t'humilie. Ouh, ici, c'est pas beau, c'est pas beau. Il y a quelqu'un qui s'accroche. Donc, ici, là, en cette zone, je pense qu'on me présente une personne qui est en relation avec une autre. Je pense qu'on me présente une certaine violence psychologique au sein de la relation. Donc là, à vous de voir, mais il y a confusion, on est troublé, on a peur, on se sent menacé, et il y a une personne ici qui, on dirait, oui, te dévalorise, te blesse, t'attaque. C'est ça ici. Oui, il y a une violence psychologique ici. On est troublé. On est troublé. Et ça se passe à la maison. Donc, on est dans une relation qui semble être rendue malsaine en ce moment. Mais en même temps, rappelez-vous, là, il y a un manque d'authenticité en la relation. On le ressent qu'il y a une autre personne. On cache la vérité, on se ment et on ment à l'autre. Il y a un homme qui a peur. Il y a un homme ici qui a peur, qui se sent menacé. Ok. C'est compliqué, on a compris. Attaque, le retour des attaques. Ah non, ici j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a besoin d'être seul. On se prend la tête. On a besoin d'être seul. On dirait qu'il y a quelqu'un qui nous a, avec tous ces mensonges-là. Ici, on dirait qu'on se sent perdu en cette zone. On se sent perdu. On s'est perdu soi-même. Ici, on s'est perdu. Ici, je ressens réellement une violence psychologique en cette zone. Il y a une relation qui est malsaine. Oui. Oui. Il y a une relation qui est malsaine ici. Donc, on a peut-être besoin ici de prendre une distance, de prendre du recul. On a besoin de temps pour se retrouver. Il y a de la confusion. Ah oui, ici c'est malsain. Il y a quelqu'un qui a peur. Le retour des attaques. Il y a quelqu'un qui subit une violence psychologique au sein de sa relation. Donc, écoutez. Et il y a quelqu'un qui probablement cherche une porte de sortie. On est plus bien au sein d'une relation. Et on a peur de l'autre. On a peur. Oui. Il y a quelqu'un qui se sent menacé. Et on éprouve du plaisir au contact d'une tierce personne. Du plaisir et des sentiments. Continuons. La carte de la fourberie, bien regardez la carte qui se présente. Se cacher, le silence, un silence qui cache quoi? La vérité? La tromperie? Ici, c'est ça. Le silence qui cache la tromperie. Il y a des énergies de trahison. Là, je vais demander une carte ici. Donc, c'est un message pour les signes d'eau. Je suis en contact avec l'énergie des signes d'eau. Donc, je peux rencontrer l'énergie du signe du cancer, du scorpion, du poisson. Donc, à vous de d'accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Laissez circuler le reste. Allons-y avec une carte sur cette personne qui porte la cagoule. Pour le signe d'eau. Oups, attendez. On fait attention à ce qu'on dit. Ah oui, il y a quelqu'un ici qui se sent en danger. Qui a peur, qui se sent en danger.
qui ment. Il y a une personne qui ment, qui se sent en danger ou qui ne parle pas. On ment ou on ne parle pas. OK. On veut éliminer quoi? Le conflit, la dispute? On veut mettre un terme au conflit? Il y a des énergies ici de trahison, de manipulation, de mensonge, de dispute. On veut que ça s'arrête. On veut éliminer la lutte de pouvoir. Dispute, conflit, qui a tort, qui a raison. Dispute, bataille, c'est un champ de bataille. Une personne se sent en danger. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a joué avec ta tête. Être confus, là, c'est brouille ici. On dirait qu'il y a quelque chose qui rejoue sans cesse dans notre tête. On pourrait aussi me présenter quelqu'un qui... Ici, là, on dirait qu'on me parle de la cassette. Qu'est-ce qu'il y a d'enregistré ici sur notre cassette? On dirait qu'il y a quelque chose qui rejoue sans cesse dans notre tête. Là, rappelez-vous, je suis en contact avec les énergies des signes d'eau. Donc, je peux rencontrer plusieurs petits messages. Ici, il y a quelqu'un qui se sent facilement attaqué. Il y a quelque chose qui se répète dans sa tête. Des messages humiliants, dégradants, dévalorisants. Et on s'accroche. Il y a quelqu'un qui lutte ici. Oui. Et... on dirait que cette personne se juge lente. On dirait que c'est une personne qui s'est fait dire que t'es pas vite, toi, et que t'es pas vite. Et que t'es pas vite. Il y a des. Ici, là, il y a des énergies de dévalorisation, de jugement, d'attaque. C'est vraiment une violence psychologique. Qu'on me présente ici, quelqu'un qui a subi une violence psychologique. OK, attendez, continuons, on va plus j'avance dans la guidance, plus il peut y avoir des nouveaux messages qui s'ajoutent. On l'a compris, humilier, laisse accrocher. Donc ici, c'est quelqu'un qui tient bon malgré la violence, les attaques. Il y a des attaques. On dirait ici, là, réellement, que c'est une cassette. Il y a quelque chose d'enregistré qui se répète dans notre tête. Est-ce qu'on peut faire un ménage, éliminer, effacer ce qu'il y a sur notre cassette ou remettre en question ce qu'il y a d'enregistré sur notre cassette? Ici, c'est quelqu'un qui s'est fait juger, là. Ici, il y a vraiment une violence psychologique, je n'ai pas de doute. Ici, il y a quelqu'un qui se sent en danger et qui ment, qui a peur. Il y a des énergies de trahison. Qui a peur. On veut mettre un terme au combat, à la bataille. Ici, j'ai rencontré des énergies de triangle, triangle amoureux. Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui dit « Non, je ne couche plus avec mon autre. Il n'y a plus rien qui se passe dans la chambre à coucher. » Ici, on dirait que c'est ça. Je ne suis même plus capable d'avoir une érection avec cette personne. Et ici, aimer étranger, rire. Bien, c'est l'énergie d'un homme que je ressens ici. Et en même temps, on nous a dit un homme qui a peur. Ici, aimer, étranger, rire. Bien là, on me présente le plaisir avec une tierce personne, mais c'est compliqué. Et il y a un homme qui a peur, qui a de la difficulté, on dirait. Là, on veut être heureux, mais il y a un blocage émotionnel. La peur. Bon, OK. Est-ce que je continue d'explorer un peu? Ici, éliminer la lutte de pouvoir, c'est bon, on veut cesser de se disputer, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on se sent en danger comme ça, on se sent en danger. Donc ici, il y a quelqu'un qui préfère ne pas parler, qui préfère mentir, parce que cette personne se sent en danger. Et en même temps, bien oui, c'est peut-être une personne qui a trahi, là. Donc, il y a un conflit, il y a un combat. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter de ce côté? Attendez, je vais visiter la zone. Pour ici, pour cette personne qui se sent en danger,
C'est un message pour les signes d'eau. OK. Attendez. Cette personne qui se cache, ou qui a peur, qui se sent en danger, qui préfère garder le silence ou mentir pour éviter les conflits. C'est ça aussi. On évite les conflits. Et en même temps, bien, on le sait qu'il y a des énergies de mensonge, de manipulation et de trahison en cette zone. Continuons. À vous de voir de quel côté de la relation vous vous situez. Je demande, j'entre en contact avec l'énergie des signes d'eau. Donc ici, travail caché, on pourrait me présenter un travail caché malhonnête, étant donné que c'est la carte qui nous parle de mensonge, trahison, manipulation. Il y a peut-être un lien ici, travail au noir, travail caché, et il y a quelqu'un qui a peur aujourd'hui, qui lutte. Occupation. D'après moi, il y a quelque chose de louche ici, de nébuleux en lien avec l'occupation. Oui, ici, c'est ce que je rencontre comme énergie. Oui. Et on veut mettre un terme à la lutte. Il y a un conflit à l'intérieur de soi, donc il y a probablement un désaccord à l'intérieur de soi. On n'est plus bien dans ce qu'on fait. On a peur, on se sent en danger. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir en sécurité? Pour mettre un terme à cette lutte intérieure. Donc ici, il pourrait y avoir une invitation à être vrai envers soi-même. Si je ne suis plus en accord avec moi-même, c'est peut-être pour ça là, que la personne ici lutte. Si je ne suis plus en accord avec moi-même, peut-être que ce serait une bonne idée d'opérer un changement, être fidèle à moi-même, à mes valeurs, à mes principes, mes priorités. Ici, en cette zone, ici, je ressens, il n'y a rien à faire, là, je ressens vraiment une violence psychologique. Ah oui, et il y a des phrases qui se répètent, des messages dénigrants, dévalorisants. C'est quelqu'un qui... c'est triste. OK, attendez, c'est vraiment triste. Oui, il y a beaucoup d'eau. C'est une personne très sensible. Ici, on me présente l'énergie de l'eau, l'eau. On est dans la vibration des signes d'eau. Il y a beaucoup d'eau. On dirait que c'est quelqu'un qui répète. Il y a comme un genre de conditionnement. Ici, on pourrait même... ça me fait penser aussi à un lavage de cerveau. Je vous le dis, un lavage de cerveau, mais ce qu'on t'a implanté dans la tête, là, c'est vraiment dénigrant. Et on nous présente une personne qui, malgré tout, garde espoir. C'est une personne sensible. Oui, garde espoir. Elle va atteindre. Ici, c'est une personne qui va réussir à se respecter, à passer au travers, à se reconnaître. Elle va réussir à passer à travers toute cette violence psychologique. Oui. Donc ici, c'est une personne très courageuse. Oui, et on félicite cette personne. C'est très lourd comme énergie, très très lourd. Continuons. Elle va réussir à dépasser, à se respecter et à être respectée. Oui. Il y a un grand grand travail. Ça prend du temps, c'est normal. Ici, là, je vous le dis, là, il y a quelqu'un qui a souffert. Qui a souffert beaucoup. Ici maintenant, est-ce qu'il y a autre chose? C'est un message pour le signe d'eau. Ici, c'est l'énergie du triangle amoureux. Ici, on a du plaisir avec l'étranger. On l'aime. On aime cette personne. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Donc, ici, c'est l'énergie d'un amour secret. C'est en lien avec les signes d'eau. Signes d'eau. Continuons. Voyager. Ah oui, regardez, on a le goût de partir avec l'autre. On a le goût des déplacements, vacances. On a peut-être aussi rencontré une personne durant les vacances. Un voyage. On se déplace. Ici, là, on veut réussir. On pourrait me présenter quelqu'un qui rencontre la tierce personne lors des déplacements, voyages. Ici, c'est une possibilité. L'étranger.
Oui, c'est une possibilité. Vacances, on part en vacances, on part en voyage et c'est là qu'on se rencontre. C'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ici? Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. C'est une zone de trahison, là, ici, de triangle amoureux. Bon, ici, s'élever, s'élever. Qu'est-ce qu'on veut me dire? L'envol, l'envol. Prendre de la hauteur, prendre de la hauteur. C'est quelqu'un qui a besoin, écoutez, de s'alléger. C'est quelqu'un qui a besoin de s'alléger. Et c'est pour ça qu'on a rencontré, probablement qu'on était dans une relation lourde. C'est quelqu'un qui a besoin de s'alléger, qui rencontre un blocage au sein de sa relation principale. Donc ici, là, il y a des moments de folie, de plaisir. On a besoin de se sentir. Ici, là, c'est l'énergie des vacances. On se sent en vacances auprès de la tierce personne. C'est léger. Donc c'est pour ça ici, on dirait que c'est une... On dirait que ça nous permet de survivre à une relation qui paraît être lourde avec une personne qui a un comportement rigide, contrôlant. Donc ici, c'est quelqu'un qui a trouvé un moyen de survivre à sa relation. Et ici, on nous présente un homme qui a peur, peur d'être heureux ou qui n'arrive pas à être heureux, un homme qui est pris dans ses peurs. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre? C'est un message pour les signes d'eau. Donc là, je peux rencontrer autant le signe du poisson, du cancer, du scorpion. Allons-y. C'est un homme qui a peur, qui n'arrive pas à être heureux. La peur prend beaucoup de place. Attendez. C'est un homme, oui, on le confirme. Un homme, un père, un patron, un homme en situation de pouvoir. Un homme qui se sent menacé, qui a peur. Qu'est-ce que vous voulez me dire? On dirait un sentiment d'impuissance. La peur, la peur. Ça peut être un homme qui a peur des conflits. Ici, probablement que cet homme a quelque chose à résoudre, à régler. Peur, peur des conflits, mais on n'est pas bien. On veut être heureux. Donc ici, il y a quelque chose, d'après moi, à régler avec la carte de la cour et le jugement tout près. Ça peut être un homme aussi qui a peur d'être jugé. C'est la carte du bon monsieur. Un homme bienveillant. Il a peur des conflits. Il a peur. Donc là, ici, on l'encourage à... On dirait qu'il a peur d'être jugé. On dirait qu'il a quelque chose à régler pour se libérer d'un passé et être heureux. Il a quelque chose à régler. Il est en conflit avec lui-même ou avec quelqu'un d'autre. Il a quelque chose à régler pour se libérer, pour être en paix, là, pour avoir la conscience tranquille. C'est ce que je vois. Il va y arriver. Il va y arriver. Ça pourrait aussi impliquer une réconciliation, une rencontre avec une personne, un retour d'une personne pour clarifier. Donc ici, ça pourrait, on pourrait me présenter un homme, oui, qui a peur des conflits, mais on dirait qu'on doit entrer en communication avec une personne pour régler une situation, mettre un terme à une dispute, à un conflit, pour se libérer, pour retrouver, la joie à l'intérieur de lui. La joie, la paix. Donc ici, c'est un masculin qui a quelque chose à régler. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Non, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. C'était un message pour les signes d'eau. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À plus tard.